Je sens que je vais devoir faire la vidéo avec lui. Tant pis. Non, tu vas t'en aller à un moment donné. Hein. Pas loulou. Hey hey. Hey, mais hey hey. Ce serait pas le coq bizarre dans Vaiana par hasard? Ah bah oui. Il me semblait bien. Bon, sinon, moi je me présente, je suis son mini elle. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, et à chaque fois qu'elle oubliera de dire certaines choses, et ben je ferai mon apparition. Mais en attendant, admirez ce fabuleux arrêt sur image. Bon allez, je la laisse reprendre. Salut toi, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression qu'on m'a coupé la parole. Non? Je me trompe? Bon, j'ai rien dit alors. Bon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer mes dernières créations du mois de septembre. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Alors il y a quelques créations que j'ai réalisées aussi sur le thème d'Halloween parce que c'est le mois d'octobre. Et puis bon, moi j'aime bien Halloween, c'est rigolo, j'adore me déguiser en fait. C'est surtout ça, on en profite à ce jour de cette... Admirez quand même cette magnifique posture, ça vaut le coup quand même. C'est là pour se déguiser, c'est bien, je serai n'importe quoi. Toi tu vas descendre loulou, fais pas de bêtises et tu te tais hein. Et bois un coup, t'as raison. C'est bon? Ouais. Bon, encore une fois. Je suis désolée pour l'éclairage, mais c'est très nuageux en ce moment, depuis qu'il y a eu l'explosion. Vous en avez certainement dû en parler. Ça s'est passé juste là, sous mon nez. C'est surtout que ça s'est passé à 3h du mat et que mademoiselle dormait comme un bon gros bébé qu'elle n'a rien entendu. Par contre, le matin, la surprise était plutôt pas mal. Enfin non, parce que j'ai un immeuble devant moi, mais je peux vous jurer que le nuage noir, je l'ai vu passer. L'odeur aussi. Il y en a encore des odeurs d'ailleurs. Mais bon, apparemment, la mort de Monsieur Chirac était plus importante que notre explosion d'une usine. Si tu veux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et Tiki, tu commences pas s'il te plaît. J'en ai marre de cet oiseau. Mais oui, mais c'est pour ça que je t'aime aussi, hein. Petit con. Et depuis qu'il y a eu l'explosion, en fait, on n'a pas eu une seule fois un ciel bleu. La vidéo a été tournée mardi, toi tu verras cette vidéo que vendredi. Et on a eu le droit à un ciel bleu qui a duré peut-être quoi, 5 minutes, mercredi. Donc comme quoi il fallait qu'elle en parle pour que ça arrive. C'est plutôt pas mal, non hein, 5 minutes, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Bon, en même temps, en Normandie, c'est très rare. Mais quand même, quoi, faut pas exagérer. Tapi. Donc du coup, ce que je disais, qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les créations que j'ai réalisées tout au long du mois de septembre. Mais là, l'air de rien, j'en ai quand même fait pas mal. Donc on va essayer de faire vite. Pour commencer, je voulais quand même remercier certaines personnes qui me laissent tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à chaque vidéo des commentaires, et ça me va droit au cœur. Vous imaginez même pas à quel point je suis touchée. Alors je vais en oublier, hein, ça c'est sûr, mais je remercie principalement les personnes que je vois régulièrement, c'est-à-dire Marie-Ange, Marie, Amélie, et il y a deux Nathalie aussi, entre autres. Donc merci les filles, franchement ça me touche, mais vous imaginez même pas. Alors, avant de commencer à te montrer mes créations, je voulais juste te parler d'une seule petite chose. J'aimerais faire quelque chose, mais je sais pas si tu vas me suivre. S'il y en a beaucoup qui vont me suivre, j'ai l'impression que je vais me retrouver toute seule. Mais je balance le truc, puis on verra bien si ça passe ou si ça casse. Voilà. En fait, j'ai vu que sur Instagram, il y avait beaucoup d'Italiennes qui faisaient des collaborations. Elles se rejoignaient plusieurs sur Instagram, et elles faisaient une création sur un thème bien précis. Et bah, j'aurais bien voulu faire ça aussi en France, ça aurait été plutôt sympa. On se donne un thème et on doit faire une création sur ce thème là. Donc ça marche principalement en polymère, moi j'ai vu ça que en polymère, mais ça doit se faire sur plein de choses différentes quoi. Pas possible, je pense pas qu'on va être nombreuses, je parle au féminin parce qu'il y en a pas beaucoup d'hommes. Je pense pas que les hommes participeront à ça, mais si on est déjà deux ou trois, ça sera pas mal. Moi, je suis prince. Enfin, non. Mais je fais partie de l'aventure. Qui va me suivre? Après, on n'est pas obligé de faire ça sur Instagram, parce que je sais que tout le monde n'a pas ce réseau social-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus facile de nous le faire là-dessus, mais si on peut pas, on va le faire sur d'autres réseaux. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis pour celles qui le veulent, comme moi par exemple, et bien on pourra en faire un tuto par exemple. Pourquoi pas? Enfin bref, qui aimerait faire une collab avec moi?
On va pas être nombreux à mon avis. Ils sont en train de sortir tous les jouets, ils me foutent le bordel. Et comme par hasard que les jouets avec des clochettes. Hein. Bien sûr, un petit avantage pour ce mois-ci. Comme bien souvent, elle oublie de le préciser, mais tous les bijoux sont déjà disponibles sur la boutique. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, tu peux retrouver tous les liens en barre d'infos. N'empêche, je viens d'y penser, c'est que j'ai quand même fait énormément de créations, mais j'en avais pas beaucoup à poncer. Et ça, c'est un point positif pour ma part. J'espère que l'éclairage tout à l'heure sera un petit peu mieux pour présenter les créations, parce que là, si avec ce temps-là, on va rien voir du tout. Et tu sais quoi? Un truc de dingue! Au mois d'octobre, eh ben, y aura 2 vidéos par semaine! C'est dingue ça! J'espère que tu vas être content! Du coup, bah, c'est parti! Je vais commencer tout de suite avec les créations que j'ai faites sur le thème d'Halloween. Il y en a 5? 5 ou 6? Je sais plus. Non, 5? Il y en a 5. J'en ai fait 5 sur le thème d'Halloween. Alors c'est parti! Alors en premier, j'ai réalisé Mr. Jack. Je l'avais déjà réalisé, mais il avait été vendu sur ma boutique et une personne m'a demandé si je pouvais l'en faire. Bon, oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors le voilà! Un nouveau Mr. Jack. Et comme le précédemment que j'avais fait, eh bien, il est phosphorescent. Ça, c'est cool. J'adore, ça m'éclate, moi. Ensuite, j'ai réalisé 2 colliers avec des têtes de mort. Et ouais. Donc, il y en a une tête de mort qui est accompagnée de jolies petites roses noires. Et voici l'autre tête de mort qui est agrémentée de quelques petits grimoires et un corbeau. J'ai également réalisé une petite barrette avec des ailes de chauve-souris, entre guillemets. Ça ressemble, ça fait moitié aile de chauve-souris et moitié nœud papillon, quoi. Petit dernier, mon petit chouchou, je l'aime beaucoup, j'ai galéré à le faire et donc je suis très contente. C'est un chat mexicain, Dia de los Muertos. Voilà, je sais pas si mon accent est terrible, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était la collection Halloween. Même si mon chat mexicain ça fait pas vraiment Halloween, mais bon c'est le jour de la fête des morts, donc Halloween c'est censé être ça aussi. Alors voilà pourquoi. Alors j'ai pas fait énormément de créations sur le thème d'Halloween, enfin j'en ai fait quand même 5, hein, mais l'année dernière j'en avais déjà fait pas mal, et l'année d'avant aussi. Et ils me sont restés sur les bras, parce que bah, finalement ce genre de petit chat ça plaît pas forcément. Donc du coup là c'est pour ça que j'ai ralenti la cadence, j'en ai pas fait... J'en ai fait que 5. Voilà. Et je sais pas si l'année prochaine j'en ferai du. On verra bien. Seul l'avenir le dira. Donc ensuite, et bah ça y est, on est enfin en automne. Et qui dit automne dit foulard. Moi en automne j'ai toujours plein de foulards. J'en ai toute une collection, je suis comme ma mère, j'adore les foulards. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'agrémenter mon foulard avec un petit bijou. Donc et bah, je m'amuse à chaque automne. Ouais, qu'est-ce du bon, ouais, à réaliser des nouveaux bijoux pour les foulards. Et là, il y en a deux de nouveaux. Voilà. J'en ai un argenté avec une jolie petite perle bleue avec plein d'effets de couleurs à l'intérieur. Et j'ai un deuxième bijou en bronze avec une jolie perle jaune, pareil, avec plein de petits reflets dedans.
Ensuite, j'ai refait des petits bijoux pour les sacs à main parce que bizarrement, enfin non pas bizarrement, mais c'est ce qui part très rapidement sur ma boutique, donc j'ai décidé d'en refaire deux petits. Voilà. Alors j'en ai une version léopard avec un petit chat. Et j'en ai un autre dans un style Liberty, tout en rose et fleurs. Et si on reste sur ce thème-là, eh bien j'ai réalisé aussi une petite paire de boucles d'oreilles Liberty. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et une autre petite paire tout en argent et blanc avec des petits oiseaux. Bah oui, des petits audios, moi j'adore les petits audios. Donc bref, ensuite j'ai réalisé 4 imitations de pierres. J'ai bien aimé faire ces petites pierres-là, je pense que je vais en faire d'autres parce que c'est très simple à faire et puis j'adore le résultat, j'adore le rendu. Franchement, je suis trop contente. Alors, j'ai une petite imitation de pierre jade, comme ça. J'adore. C'est pas pour rien que j'ai appelé ma fille comme ça. J'adore donc ces pierres-là parce qu'il y a vraiment énormément d'effets différents, enfin j'adore. J'ai une imitation de pierre ambre. Ça aussi, c'est un très joli prénom, n'empêche. Ensuite, j'ai une pierre bleu quartz. Et pour finir, une pierre rose quartz. Donc ensuite, j'ai réalisé 2 petits colliers en forme de losange. C'est exactement la même technique, c'est juste les couleurs qui changent. La couleur de base qui change. Mais sinon, c'est exactement la même technique pour ces 2 colliers-là. Il y en a un version blanc et l'autre version noire. Ensuite, on m'avait demandé aussi si je pouvais réaliser un collier avec Peter Pan sur... Enfin, pas sûr, mais à côté de Big Ben. J'ai dit, ouais, c'est compliqué ça. Je vais essayer, mais je te promets rien. C'est compliqué. Donc voilà ce que j'ai sorti sur cette thématique-là. C'est mes filles et puis la copine de ma fille ont reconnu, donc
Même mon chéri, il a reconnu la moitié. Donc je me dis que ça va, je me suis pas trop mal démerdée. J'aurais voulu mettre plus de détails, mais c'était... Waouh, c'est compliqué. Bref, voilà le collier que j'ai réalisé. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois, il y a un petit moment maintenant, j'avais réalisé pas mal de petites paires de boucles d'oreilles avec des ailes de papillon. Et bah là j'ai essayé de modifier la chose, et j'en ai fait une queue de sirène en collier. Voilà, ça reste sur le même principe que pour faire des ailes de papillon, sauf que cette fois-ci c'est une queue de sirène. Enfin moi je vois ça comme ça, après c'est suivant l'imagination des gens. Avec mes petites mademoiselles. Mais alors elle l'a pas précisé dans cette vidéo là, mais dans les autres elle l'avait déjà dit. Maintenant les petites fées comme ça ou les petites sirènes ne sont plus montées en collier, ce sont de simples pendentifs et c'est à toi de choisir le montage du bijou que tu veux. C'est plutôt sympa, non? C'est à toi de choisir le montage de la création de A à Z, et ça je trouve ça plutôt cool personnellement. Petite nouveauté, il n'y a pas que des mademoiselles, il y a aussi un jeune homme, un petit garçon, parce que j'en ai marre de faire que des filles, hein. C'est le cliché, il n'y a pas que les filles qui existent, il y a aussi des bonhommes. Donc j'ai essayé de faire une fée homme. D'ailleurs ça a un nom ça, une fée homme. Je vais aller voir ça. Et bah je viens de me renseigner, et une fée au masculin, et bah ça s'appelle un féteau. Je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Et bah voilà, alors j'ai réalisé un féteau. Sur une estampe papillon bronze. Voilà, un petit mec pour changer des gonzesses qu'on voit d'habitude. Alors on va continuer sur cette lancée là, j'en ai fait 6, c'est ça? 2, 4, 6, non 8, j'en ai fait 8 ce mois-ci. D'habitude j'en fais que 5 par 5, et là j'en ai fait 8 parce que le mois dernier j'en avais fait que 3, donc j'ai essayé de rattraper le coup. Voilà, enfin bref, on continue. Et on enchaîne tout de suite avec cette petite sirène dans les tons bleu et jaune, c'est des couleurs très électriques, mais moi ça m'a plu, j'aime bien, c'est rigolo, ça change. Et elle est posée sur un connecteur chandelier. C'est pour ça que j'ai rajouté plein de petites perles en dessous. Ensuite, la petite fée suivante, eh bien, elle est sur une estampe argentée en forme de papillon. Et puis, bah voilà. Voilà, elle est comme ça. Ensuite, une petite sirène sur une clé. Une petite. Cette sirène-là, elle est plus grosse que les autres. Pareil, encore une fois, elle a des couleurs assez électriques, mais moi j'aime bien, ça me plaît bien. Dans les tons jaune et vert. Ensuite, la suivante, c'est toujours sur une estampe papillon argenté.
Eh bien, j'ai une petite fée que j'ai voulu nommer la fée des Coclico. Parce qu'elle est rouge et puis des cheveux noirs. Voilà. Encore une petite apostrophe. Donc il y a une autre personne que je nommerai pas, hein, n'est-ce pas Stéphanie? Qui m'avait demandé si je pouvais réaliser des petites fées enceintes ou des jumelles ou des trucs comme ça. Je dis, ça fait un petit moment qu'elle me réclame et je sais plus, je vais le faire, mais je le fais jamais. Et bah ben là je me suis encore décidée. Tiens, fais chier ce petit gars. Bref, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé une petite fée comme ça sur une estampe argentée en forme de papillon. Avec un petit bébé dans ses bras. Un tout petit mini jeune riche, tout riche. J'ai aussi réalisé une petite paire de jumelles. J'ai réalisé des demoiselles sur un cadre en résine. Voilà, des petites sirènes dans les temples. Et la petite dernière, et eh bien c'est pareil, c'est sur un cadre en résine et j'ai réalisé une femme enceinte. C'est ni une fée ni une sirène, c'est juste une femme toute simple, enceinte. Voilà. Alors c'était vraiment pas évident à faire la femme enceinte. J'ai pas l'habitude de travailler ces proportions-là. D'habitude je fais toujours des petits chibis très svelte. Et là c'était différent, c'était compliqué la voir. Il m'énerve Tiki. Je vais attendre qu'il m'écrit. Et yeah, c'est bon? T'as fini? Donc bref, je disais, c'était vraiment pas évident à faire une femme enceinte. C'est compliqué. Mais bon, je pense que je me suis pas trop mal démerdée. Hein. On va se lancer un petit bouquet de fleurs. Pour une fois, c'est rare. Voilà, du coup, j'en ai fait le tour. J'ai fait le tour de toutes les créations que j'ai réalisées au mois de septembre. Donc voilà, il y en a quand même une petite vingtaine, hein, je crois. Je dis pas de conneries, donc ce n'est pas rien. J'ai bien carburé ce mois-ci. Et je sais plus. Donc moi, je crois que j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à vous montrer. À te montrer. Un coup je dis tu, un coup je dis vous. Je sais plus. Je suis perdue. À chaque fois je m'emmène les pinceaux, c'est horrible. Alors que logiquement je devrais dire tu, même si c'est pas bien de tutoyer les gens que tu connais pas. Moi je m'en fous, je fais quand même. J'aime pas, vous voyez, ces vieux jeux, on est en 2019, merde. C'est pas parce que je dis tu que je manque de respect pour autant, même si je suis très grossière.
Moi, avec les formes, ils sont censés être tout seuls devant ou derrière ton écran. Ça dépend comment tu fais. Derrière, t'auras un peu de mal quand même. Du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai fait tout le tour de ce que j'avais à te montrer. J'ai dit à peu près plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Et puis bah du coup voilà, c'est tout. Donc je crois que ça va être l'heure de se quitter. Donc j'espère que cette longue vidéo, bah oui comme d'hab, hein, t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Même si je suis très longue à répondre aux commentaires, je le fais quand même, parce que c'est ma devise. Je veux pas laisser les gens dans l'indifférence. Si tu prends du temps pour venir me voir pour me parler, la moindre des choses c'est que je te réponde. Ça paraît logique. Tu me stresses au-dessus de ma tête toi. Alors pareil, si t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec plaisir. Mais comme à chaque fois, il faut laisser un petit peu de temps. Je suis un petit peu longue à la détente, mais je finis toujours par le faire. Parce que ça aussi, c'est ma devise, mieux vaut tard que jamais. Et donc du coup, bah, c'est l'heure de se quitter. Alors je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Et c'est tout? Alors c'est tout. Ça va Tiki? Des bisous maman. Petit loulou. Bisous. Il veut faire la vidéo avec moi aujourd'hui. Ah mon loulou. Bon oui, t'es beau. Tu fais des bisous? Non, tu préfères manger mon bracelet? Ah mon bébé. C'est bon les perles? Mais il les avale pas. Hein. Je précise quand même. Je fais attention. Ouh, m'a fait peur. Touche pas la caméra. Si tu me la fais tomber, tu vois ta gueule. Qu'est-ce que tu fais? Il a touché au zoom, je ne sais pas s'il a zoomé ou dézoomé. T'es bien, t'as fini? Tu fais bisous? Regarde en gros plan. Waouh! Petit bibi. Il a son copain juste ici, mais il a toujours autant peur. Ballot Oreo! Petit bébé! Il a du mal, hein? On n'arrive toujours pas à l'approcher, lui. Non, lui, oh, toi, t'as peur de rien, toi. Hein? Oh, bébé.